son de placer mes doigts, ce qui a un tout petit peu effleuré le bouton, ça suffit à toucher, à changer en fait. Et comme j'ai des gros... Voilà, c'est comme ça. Un tout petit peu effleuré le bouton. Ça suffit. Rappelons qu'à la base j'avais pris ce pad parce que mon ancien pad présentait les mêmes problèmes de bouton de touche droite qui merdait. À la différence que l'autre pad avait duré 3 mois et que c'était un pad de Freebox et que c'était de la grosse merde. Alors, je veux un truc avec que du mécanique partout. Il me faut que du mécanique partout, c'est le seul truc qui finit pas par faire un faux contact à la con. Donc c'est fâcheux, hein. J'adore tellement les musiques de jeu. Franchement, mais tellement j'adore les musiques de jeu. Alors pourquoi est-ce que j'ai toujours la poisse avec le hardware, je vous le demande, hein. Oui, alors là par exemple c'était un problème du D-pad. Bon, ça se passe mieux que tout à l'heure. Là ça se passe mieux que tout à l'heure, ce qui est bien. Faut que je fasse super gaffe avec ce putain. Cette putain de touche gauche. Ça doit vouloir dire que j'appuie plus souvent à gauche qu'à droite. Hein. Je porte à gauche du pad. Voilà, donc alors rappelons, le premier level, c'est celui que je dois faire au perfect sans me faire toucher. Hein. Normalement, si les choses se passent bien, ça doit se passer en perfect. Je pense que Morphée va être très très peu contente d'apprendre qu'elle va devoir me rendre le carton dans lequel elle dort pour que je puisse envoyer le pad en SAV.
Non, putain! Je sais que je devais sauter. Et voilà. Voilà ce qui se passe quand on ramasse une arme dans le jeu, hein. Ramasser une arme, c'est toujours une mauvaise idée, hein. Ça se passe mal. Ça se passe très mal. Putain, non, sérieux. J'ai besoin de mon pad, moi. C'est pas possible. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Et merde! Ça va être douloureux ce boss. Non mais le pad arrête, franchement arrête le pad. Non, fou, non arrête. Là j'ai besoin de vraiment de précision le pad. Oh, c'est passé sans perte de vie. Mais c'était tendu. Je dois vous avouer, chers amis, que j'ai eu très peur que mes légers problèmes de gauche. Voilà, exemple de léger problème de gauche, j'ai lâché l'ennemi alors que je ne voulais pas. Et là, tout de suite, c'est la sanction, hein, quand ça t'arrive.
Pour une fois, oui. Bah, tu me diras, si tu joues sur une vraie Mega Drive et que les mecs Mega Drive, c'est tout le temps la faute à la manette. Bah, de toute façon, il y a des moments où tu vas me voir déplacer verticalement, où je vais faire des mouvements à la con vers la droite. Et c'est ça. Et bonne journée, princesse! Et reviens-nous vite et en bonne santé, et après c'est... puis voilà. Et j'espère que t'auras que des gentils clients qui vont te donner des gentils trucs et être gentils avec toi. Voilà. Parce qu'en ce moment, il faut. Et ça explique aussi beaucoup de trucs foireux qui se passent sur Link's Awakening. Genre des sauts qui vont vraiment dans le mauvais sens. Un truc qui m'arrive régulièrement en ce moment et que je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Mais maintenant je comprends mieux. J'ai perdu une vie ou j'ai déjà ramassé le poulet? Je suis à 6 vies, j'ai pas dû en perdre. Alors, je suis à 6 vies avec ce score là. Ici, j'ai pas perdu de vie, c'est bon. J'ai du bol. Bah justement, j'ai regardé après le stream. J'ai besoin que tu perdes ton couteau. T'étais censé perdre ton couteau. Ça va être très douloureux. Donc, il faut que je me mette là. Non, pas là. Et merde, là c'est moi qui ai merdé. Je regarderai ce que ça sera. Ah, je suis désolé, là, je suis un peu préoccupé par mon histoire de pad. Ça me fait grandement chier, je dois vous le concéder. Bah ça c'est bien là.
Ouais, là, c'était le pad, par exemple. Quand je suis reparti vers la... Vers là où je voulais pas aller. L'idée, c'était même de rester immobile. Ah non, hey, tu vas pas me dire qu'en plus, il y a le bouton de saut qui s'y met. Attends, c'est un bouton mécanique, merde. À la base, j'avais pris ce truc pour les boutons mécaniques. Parce que c'est plus fiable. Donc là, je fais un truc risqué. Qui était d'envoyer les ennemis par-dessus bord, dans le trou. Dans le néant du trou du dehors, il n'y a plus rien. Non, je veux pas perdre la vie qui est là. T'es sympa, mais j'en ai besoin. Voilà. Pas bon. Trop haut. Merde. Là, normalement, je devais taper dans l'autre direction. Et donc, en profiter pour emmener, pour envoyer chier la nana avec un coup de pied. Mais ça ne s'est pas fait. Il y a des moments où c'est quand même très problématique. Merde. Notamment les moments où ça me contre aussi. Le bouton de droite. Des moments comme ça où c'est très chiant. Parce que ça me retourne dans mes attaques. Je me débarrasse du couteau, il pourra me faire chier. Non, là je voulais pas aller vers... Oh putain, ça va être galère. Oh, ça va être la mort. Parce que du coup, plus j'y vais, plus vos contacts s'amplifient. Et ça fait que je saisis le boss au lieu de le frapper. C'est et pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc
Ah, c'était compliqué, douloureux, vraiment merdique. C'est plusieurs fois où j'ai saisi le boss où j'aurais pas dû. Et ça tombe bien, c'est pas ce que je voulais faire. Totalement, c'est de la misandrie. Ouf, putain. Le lancer de couteau. Bah disons que pour le coup, oui. Vu que j'ai un faux contact sur une des directions. Oui, c'est pour faire le... C'est pour faire le coup, le... Tu sais, l'habitacle de la manette, le boîtier. À ce point-là. Merde. Voilà pourquoi je disais merde. Je voulais surtout pas faire popper les deux autres. Parce que les faire popper, c'est le début de la fin. Arf. Bah, tu me diras. Au pire, j'ai vu que chez qui ça? Qui c'est déjà? C'était chez qui? C'était chez le roi Merlin. Il propose d'imprimer ses pièces en 3D, donc je regarderai pour faire des trucs comme ça. Parce que du coup, leurs imprimantes devaient être un peu meilleures. J'étais en train de le taper là. Enfin, de toute façon, j'ai. Voilà, c'est. Tu vois, le problème c'est ça, c'est que je pars facilement sur le côté quand je veux monter droit. Et pareil, des fois je me retourne et.
Bah écoute, je ferai ça. Merde, j'avais oublié lui! J'ai essayé de me concentrer un peu sur cette strat. Il y a toujours un moment où le chausson de la chute tombe pendant un coup de sirène et là je peux me faire tuer. Vu que je me repère au son. Voilà, parfait. Bah de toute façon là j'ai pas le matériel hein. J'ai même pas de matos pour faire de l'électronique donc bon. Merde. Ah oh, putain il est pas mort le con. Voilà là il est mort. Donc comme je disais à la run précédente, les karatékas quand ils sont par 3 j'ai besoin de les tuer très très vite. D'en tuer un très vite. Précisément. Merde, je savais que j'étais sur la mauvaise rangée. À plus que 2, ça devient gérable. À plus qu'un, c'est parfait. Mine de rien, ça progresse. Là, on est déjà au PB. Merde. J'ai mal compté. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas cool. Et merde! J'aurais pu éviter de la perdre, cette vie. J'aurais dû éviter de la perdre. Putain, non, là le dépad c'est plus possible. Alors c'est l'heure du boss, donc on va essayer de le faire correctement. Merde ! Non c'est bon. Le rattrapage de dernière minute quoi. C'est la phase où elle approche tranquillement. J'ai peur pour le time over en fait.
Oh putain, c'est passé. C'est passé. Donc on est clairement sur un PB dépassé, hein. On a clairement dépassé le PB. Et 5 vies au 6ème stage, ce n'est pas dégueu. Ouais. Bah disons que je l'ai. Maintenant quand j'appuie sur aucun bouton, je laisse surtout pas mes doigts proches du D-pad, je le soulève beaucoup beaucoup. Pour ne surtout pas effleurer le D-pad. Disons que maintenant je peux être stressé par le timer. Hein. Maintenant qu'on est dans ce mode de difficulté. La pomme qui me fait perdre de la vue au lieu de m'ordonner, on applaudit. Là, faut pas que j'oublie, il y a le gros monsieur qui va venir. Voilà, là par exemple, c'était pas volontaire de me retourner à la fin. Hein. Aucun intérêt à faire ça. La technique de la frappe du tapis roulant. C'est une technique ancestrale, hein. C'est une technique ancestrale, la frappe du tapis roulant. Putain, c'est rare, mais je suis vraiment contente qu'il m'ait frappé, le mob. J'aurais été dans la merde s'il l'avait pas fait. Je veux pas savoir ce qu'ils mettent. Bon, attends, je vais me concentrer un peu parce que j'aimerais éviter de mourir. Je veux pas savoir ce qu'ils sont en train d'empaqueter, etc. Mais à mon avis, c'est de l'import-export pas trop légal. Hein. J'ai même pas de vie. Thank you.
On va appeler ça comme ça. Si tu veux, code, on appelle ça comme ça. Et deux manettes Razer. Non, le pire, c'est ça, quoi, Razer. Enfin, leur clavier, j'ai rien à redire. Leur souris, j'ai rien à redire. Mais les pads, c'est les mêmes problèmes que j'ai avec tous les pads que j'ai utilisés, c'est-à-dire le D-pad. Et un de moins, sauf que là, ça va être compliqué. C'est bon. Bah, si tu veux, je sens qu'il est tout mou, hein. Là, je veux dire, il a passé le cap, c'est même plus mi-molle à ce niveau-là. C'est même plus mi-mou, hein. Il y a un frame de vulnérabilité au bon moment. Oh putain, là ça va me faire mal. Et d'où t'esquives mes lancers de gens dans ta tronche, toi? Là, je veux pas aller vers la direction où j'allais. Et là, du coup, avec le problème de dépad sur ce boss, ça va être plus tendu que la ficelle du string gamaïté, hein. J'ai besoin. Putain, non, vous êtes pas censé être en haut. Si vous êtes en haut, c'est la mort. Dégagez de ma ligne! Mais dégagez de ma ligne! Ok, là c'est foutu. J'ai pas le choix, je dois appeler les renforts, sinon c'est foutu. Je pourrais pas les dégager de la ligne. En fait, on repop beaucoup trop bas pour pouvoir les gérer s'ils se placent en haut. Déjà là, je peux plus. Alors je sais, je suis désolé, j'ai triché, c'était pendant le contrat, j'essaierai de plus appeler les flics. Putain, ça me fait chier, quoi. Mais là, je pouvais pas m'en dépêtrer, en fait. En repopant ici, avec les ennemis qui sont au milieu sur la ligne du haut, j'ai aucune possibilité de les déplacer. Et de les replacer correctement pour les attaquer, sauf en utilisant les renforts. C'est extrêmement chiant. C'est la grosse difficulté de ce boss, c'est qu'il y a des situations où t'as pas le choix, tu dois utiliser les renforts. Et je trouve ça immonde, j'ai horreur de faire ça. Re-t-shirt. Pas trop tourner, pas faire ça, arrête. Arrête, tu me fais du mal.
Non, putain! Ah, c'est horrible. Non! J'ai besoin d'être ici de façon super précise et tout. Non, putain! C'est pas bon. Je pensais que j'allais choper. Putain, non, non, ah! Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Ah, c'est la mort. Non, je devais pas les choper! On va se débarrasser de la batte tout de suite. Attention, magie, batte dans l'anus! Voilà. It's raining punk! Alléluia! It's raining punk! Alors là, je ne touche pas le pad! Je ne touche pas le D-pad! J'ai fait une saisie, il fallait pas! J'ai fait une saisie, il fallait pas! Non, je veux pas mourir, je... Tant pis. Non, je veux pas mourir. Non. Pourquoi tu m'as empêché d'appuyer sur ma touche directionnelle pour faire ma projection? C'est l'apocalypse, hein. Franchement, c'est l'apocalypse. J'espère pas, mais mon pad, oui. Non, mais... en fait, là, j'essaie de vous montrer. Voilà, comme vous voyez, ça, c'est la position repos du pad. Il y a un bouton qui manque quand on le sort. Hein. Vous le voyez, le bouton. Allez, là, on le voit, là, on le voit plus. Le pad est au repos, là. Je n'appuie pas. Non, je vous le montre, hein, parce que... Vous pourriez penser que c'est de la très haute mauvaise foi du matin. Vous pourriez penser que c'est de la mauvaise foi de compétition, mais non, il n'en est rien. Heureusement, le cerveau humain est parfaitement capable d'apprendre à compenser, mais ça reste quand même handicapant. Surtout pour un jeu qui demande autant de précision que celui-là. Parce que, rappelons-le, la majorité de la run est basée sur le contrôle des ennemis et de leur comportement.
Bah écoute, a priori pas après les miennes d'années de maltraitance. Alors l'autre gros problème, c'est que pour lancer le troisième coup du combo, faut appuyer sur une direction. Et donc du coup, avec la direction qui reste appuyée, des fois je peux le lancer sans le vouloir. Et pareil, il faut juste appuyer sur haut pour éviter de tomber au sol quand on se fait projeter. Et ça complexifie vraiment toute la run. Ah merde, j'ai oublié quel boss c'était. Ah putain non! Ah saleté de D-pad! Là c'est le D-pad vraiment. Backup strat. Là c'est le D-pad parce que comme je dois partir en diagonale, et que le D-pad ne m'a pas laissé partir dans la bonne diagonale, ça m'a foutu la merde. Oh putain! Non, fais chier, des pattes de merde! Désolé, mais là, il n'y a pas d'autre terme. J'aurais réussi à les gérer pour aller chercher le poulet si j'avais pas eu de ce problème. Là, pareil, c'était une projection normalement. Et là, je devais taper les deux côtés. Alors attends, putain, non, là j'ai besoin de la précision du D-pad en plus, là j'ai besoin de précision. Putain, non, le D-pad, arrête de mourir. Enfin, continue à mourir, mais après la fin du run, s'il te plaît. Continue à mourir, mais après. Alors, le catcheur. Je le sentais mal.
Non, j'avais qu'une peur, c'est que le dépanne me retourne sur un coup de pied sauté. C'est Tondax. Non, c'est pas ça que vous voulez faire. C'est pas cool. Je préfère me prendre un coup de fouet qu'un coup de pied là. Fallait pas que je le chope. Non putain. Oh putain non. Oh là, ça va être la mort. Ce qui est bien, c'est que vous voyez l'avancée du décès du pad au fur et à mesure de la run. Pas suffisant. Maintenant c'est suffisant. Mon poulet. Vous voyez là. Vous voyez l'avancée du décès. Ce n'est plus un dépad, c'est un décès. Là, c'est dangereux ce que j'ai fait. Voilà. J'avais dit que c'était dangereux. Alors, si je ne perds pas de vie, on peut peut-être voir la fin du jeu. Je crois que j'ai échangé d'ennemis. Ouais. Non, j'ai besoin que tu fasses ce que je veux que tu fasses. Et voilà, ça c'est ce que je craignais. Je l'ai fait trop tôt. Ah non, 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 putain!
Alors, on a déjà pété le high score du mode hard, hein. Si je joue comme une déesse grecque, mais vraiment comme une déesse grecque, ce qui semble mal barré. J'ai des doutes en ma déesse grecquisation. Voilà, c'est... Alors, on était à 500 points de la vie supplémentaire. Alors, j'ai pas noté le score, c'est pas grave, on regardera après. Voilà, je sais que je me prendrai la mandale. Ah putain! Putain, trop tôt! Putain non! Dépanne mon ami s'il te plaît! Arrête de mourir juste pour le boss! Et c'est comme ça qu'on finit le mode hardest. Ah, sa mère. C'est passé. Donc comme vous le voyez, je gère quand même vachement mieux le boss final qu'avant. Vachement mieux. En tout cas, merci d'avoir suivi ce stream de la mort du pad. J'ai vaincu le jeu et le pad, ouais. C'est ça qui est délirant. Putain, le jeu et le pad. J'ai réussi à finir ce putain de jeu en hardest. Oh, d'ailleurs, il y a un problème. Et personne l'a repéré. D'habitude, je me fais emmerder, je me fais engueuler pour ce genre de truc. Donc, j'ai vaincu le jeu et le pad, quoi. Surtout le pad. Oh merde. Attendez, j'ai tweeté ça parce que...
Voilà, c'est... Je pense qu'il fallait nous tweeter. Putain. Non, c'est pas un one credit. C'est ce que je vise, mais elle s'en est pas. Là, c'est à 2 crédits. 3. 2. 3. Bouffer 3 crédits. Bon, ça méritera d'être highlight quand même, hein. Alors, 2, 8, 30.